bienvenue sur la deuxième édition du Illimi XP qui ressasse tous les beaux événements qu'on a organisés en tant que Illimi Community. Et c'est un moyen pour nous de partager avec vous ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui était beau, quels sont les challenges qu'on a rencontrés. Alors aujourd'hui, on est avec la magnifique équipe qui est une partie en tout cas de la magnifique équipe qui a organisé le Illimi Talk. D'autres étaient là depuis la première édition. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième édition. D'autres étaient là à la deuxième. D'autres étaient là à la troisième. Alors moi, c'est Nadira Fumoko et je suis coordinatrice des affaires étudiantines à EDU. Je suis également alumni et j'ai participé aux trois éditions du Illimi Talk. Alors, ensuite, nous avons... Khedija Ibrahim, alumni de l'African Development University, présidente de Illimi Talk 2, superviseur de Illimi Talk 3. Quel background. À côté de vous, nous avons... Eretta Rahman Ousmane, je suis étudiante en deuxième année en intelligence artificielle. J'ai été la présidente de la troisième édition du Illimi Talks, mais aussi secrétaire générale du Illimi Student Government. Oh, quel plateau, ça promet. Hello, moi c'est Salasan Ramotu, présidente du Illimi Student Government et également étudiante en deuxième année en intelligence artificielle, mais aussi lead de la team speaker de la troisième édition du Illimi Talk. Mais attendez, il n'y a que des présidents sur ce plateau, je me sens vexée. Je me sens vexée, présidente. Mais bon, ne me jetez pas la pierre. Alors, sans plus tarder, nous allons aller avec une première question. Très simple, d'accord ? Ouais. Quel est votre meilleur souvenir du Illimi Talk de cette année, troisième édition ? Allons sur des choses qui sont à côté. Quel est votre meilleur souvenir que vous avez de cette troisième édition du Illimi Talk qui s'est passée il n'y a pas ? Yes, go ! Je pense pour moi, c'était le jour même de l'événement, quand on était en train de co-animer l'événement. Et puis... pour animer le public, tu vois, tu dis, est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Yeah. Et je m'attends, c'est vrai que tu t'attends à ce que le public reprenne, mais j'étais dépassée parce que j'ai entendu des voix qui viennent d'en haut. Yeah. C'est là que j'ai pris la tête et je vois le premier était full, le premier niveau. Le deuxième niveau aussi pareil, j'étais dépassée de... comment ce succès sera mesurable, parce que déjà en matière de participation, je pense à excéder nos attentes. Ouais, c'était la première fois qu'on a le bâtiment rempli. Genre, il fait tellement chaud, mais les gens sont... l'énergie est high. Mm-hmm. Et chaque fois qu'il y a des prestations, l'animation et la réaction du public, j'ai l'impression que ça a été télécommandé. Quoi. C'est pas... ce ne sont pas des vraies personnes qui y allaient. C'est comme s'il y a des audios qui... je pense pour moi ça c'était, je m'y attendais vraiment pas. Moi je pense que l'un des souvenirs que j'ai qui m'a vraiment marqué durant cette troisième édition, c'était plus au moment où je voyais les gens sourire partout, danser, surtout parce que moi je me disais qu'il y avait des gens qui avaient quand même cette énergie de ne pas pouvoir être là sans pourtant être là. Donc j'étais vraiment émerveillée de voir les gens qui s'amusaient, qui se laissaient aller, qui profitaient vraiment pleinement, qui étaient vraiment présents. Parce qu'il s'agissait de ça, pas faire juste un événement où les gens vont venir s'exprimer, mais aussi laisser des traces dont chacun va quitter en fait avec. Donc je pense que c'était vraiment ça pour moi, de voir que les gens s'étaient vraiment laissés aller, il y avait cette énergie qui était vraiment là. C'est ça l'un des plus beaux souvenirs, je pense que c'était vraiment marrant. Personnellement, mon plus grand souvenir, c'était plus aussi le décor, le fait de voir tout le monde investi. Parce que à la troisième édition, on avait pour thème How will you build the United States of Africa? Et il y avait un dress code. C'était tout le monde devait s'habiller dans une tenue africaine. Et puis tout le monde était là. Les gens étaient habillés dans de belles tenues. Tout le monde était là. Et puis c'était beau. À la fin, il y avait les gens, ils s'amusaient. Et puis For me, one thing that was really interesting was also the creativity. Quelque chose qui m'a vraiment énormément surprise, c'est de voir la créativité des élèves. Très sincèrement, je ne m'y attendais pas.
Mais les élèves ont été d'une créativité mais exceptionnelle. Franchement, pour ceux qui n'ont pas vécu ça avec nous sur le campus, je vous appelle à aller voir les vidéos de l'événement, les photos de l'événement. Ouais. C'était vraiment exceptionnel. Ils ont fait preuve de créativité, ils ont mis en place des sketchs. C'était franchement, pour moi, c'était quelque chose d'hyper marquant. Ouais. Exactement. C'était au-delà des discours et des présentations. Mm-hmm. Je pense qu'on a tous été surpris. Ouais. Honnêtement. Que ce soit par la prestation des étudiants de EDU, ou par les lycéens eux-mêmes, certains pour qui c'était la première fois de parler en public parfois, ou même d'oser s'affirmer sur un sujet, mais c'était incroyable. Alors, pour faire une follow-up question, tu viens de parler de... C'était une expérience nouvelle pour ces élèves, la venue de différents lycées de Niamey. Se mettre sur scène, devoir faire preuve de créativité, parler en public et tout. Selon vous, est-ce que vous pensez que cet événement a été d'un apport considérable pour ces lycéens? Si oui, comment est-ce que vous pensez que les connaissances qu'ils ont apprises pendant cet événement peuvent leur être utiles dans leur vie de leader? Should I start? Yes, go first. Pour moi, l'impact est directement mesurable. C'est quand tu reçois un élève, un lycéen qui doit représenter son école. On l'envoie pour la première fois à EDU ou pour les préparatifs du Unitos. Et tu vois l'évolution de façon très croissante. Et c'est solide, c'est tangible, c'est ce que je veux dire. C'est quelque chose que tu vois, tu remarques un élève. Quelqu'un qui n'arrivait même pas au début à bien se présenter, te dire que je viens au nom de telle école et que tu vois dans une semaine, il prend le micro avec confiance, il affirme sa présentation devant tout un public d'une centaine de personnes. Donc je me dis que dès là, il y a un impact considérable que l'événement a sur ses élèves. Et je pense que je peux ajouter aussi un message que j'ai déjà reçu d'un speaker de Unitox 2, donc le Unitox 2022 de l'année passée, sur Instagram. J'ai même oublié son nom. Il m'a dit « Hello Dila, c'est moi, Intel. » Le Unitox a été un début pour moi d'une aventure de parler en public. C'était ma première fois. Il a dit que c'était sa première fois de parler en public au Unitox 2. Il a ouvert représenter son école et que là, après son bac, il est, je pense, en France ou au Maroc et qu'il représente la communauté. Il a représenté la communauté africaine de son université à un événement et il a fait une prestation incroyable. Mais il dit que le déclic a été le Unitox. Et il dit que chaque fois, il est guidé par la créativité de cet événement. Parce que c'est pas dans tous les événements que tu vas voir. On donne le micro aux lycéens parce qu'on a confiance en eux. On pense qu'à leur niveau, ils ont des idées à partager quand il s'agit de certaines thématiques. They need to be heard. Yeah. Et qu'ils ont aussi quelque chose à apporter sur la table. Alors, Rama, tout à l'heure, tu avais parlé du fait que tu étais lead, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pendant la troisième édition de coacher ces élèves qui étaient là et qui vivaient pour beaucoup d'entre eux, leur première expérience. Comment est-ce que tu as trouvé ces élèves-là? Comment était l'engouement? Est-ce que tu les as trouvés mous? Comment l'expérience de manière globale s'est passée, les coachings? Sincèrement, c'était vraiment inattendu parce que pour la deuxième édition, j'étais speaker aussi. Du coup, le fait de me retrouver pour la troisième édition en tant que lead, en train d'être là à la place de ceux qui m'ont coaché, c'était inattendu en même temps, mais c'était vraiment une fierté pour moi parce que Je me devais de me surpasser. Je me disais que c'était l'opportunité pour moi de pouvoir offrir ce que j'avais aussi, comme on dit, la connaissance. Et la seule chose que quand on la partage avec les gens, elle s'accroît. Donc franchement, c'était pour moi l'idée de Rama, tu as eu l'opportunité d'avoir d'autres élèves qui aujourd'hui se retrouvent à la même place que toi. Donc c'est le moment aussi pour toi de leur donner l'opportunité que tu as eue et de te donner au fait à 100% pour pouvoir voir ces gens-là demain qui seront aussi à ta place en train de coacher d'autres. Et je me rappelle, il y avait Abdel Nasser d'Algoza, je pense. Il était à Algoza, donc
C'était la première team que j'avais commencé à coacher. Et pour vous dire la vérité, j'étais vraiment nerveuse parce que je me disais comment ça allait se passer. J'avais beaucoup d'appréhension. Comment est-ce que je dois me tenir? Attends, tu dois parler comme ça. C'est des lycéens qui vont comprendre ta manière de parler. Attends, tu dois parler doucement. J'étais excitée en même temps. Et quand ça avait commencé, c'était comme si je me retrouvais en même temps des années en arrière en train de me voir, en train d'apprendre certaines choses. Oui, une année, en train d'apprendre certaines choses. Et c'était vraiment waouh. Quand on avait commencé, ils étaient vraiment investis. Il y avait l'énergie, il y avait cette passion aussi. Parce que c'est vrai que quand on vient du lycée, la plupart du temps, on a vraiment cette peur de pouvoir s'exprimer quand on est exposé à un vaste public. Mais d'avoir ce courage en même temps et cette passion de pouvoir cultiver sa confiance en soi, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment inoubliable. Donc je pense que c'est un événement qui m'a marqué aussi. Donc. Eretou et Madame la Présidente, excusez-moi. Madame la Présidente, alors c'était comment? Comment est-ce que tu as trouvé, je dirais ces deux années, parce que tu étais là aussi pendant le Illimi Talks 2, tu as un peu vu comment ça s'est passé. Et en tant que présidente du Illimi Talks 3, dis-moi, quelle est la charge que tu ressentais sur toi? Parce que je te voyais dans les couloirs, Eret a été tout le temps stressée entre les cours. Tu fais l'intelligence artificielle, une filière qui est loin d'être facile, avec l'horaire des cours et tout. Comment est-ce que tu as pu gérer ton côté académique et ton côté professionnel, si on peut le dire? Déjà, c'était pas facile du tout. Vous avez dû le remarquer et tout. Devoir gérer toute une team, revenir voir des gens qui n'ont pas fini leur travail. Et j'avais un problème en temps. C'était de demander aux gens de faire leur travail, sachant que j'étais présidente. Et c'était devenu un problème pour moi. Et je me retrouvais à faire les deux choses en même temps. Oh. Donc, guider les teams qui ne faisaient pas tout le temps leur travail, faire leur travail, et aussi suivre mes cours. Donc, avec le temps, Khadija avait remarqué, j'avais eu le soutien de Adam et de Rama qui étaient venus, qui m'aidaient et qui m'ont conseillé, voilà. C'est pas à toi seul de faire le travail, il te faut de l'aide et tout. Donc j'ai appris à motiver aussi les autres à travailler. Nice. Et j'ai aussi appris à gérer mon temps. Donc entre les cours, tant que c'est mon cours, je laisse le Illimi Talks. Je me concentre sur mon cours et après je reviens sur mes limites. Je pense que pour un peu juste rajouter avant qu'on ne passe à autre chose, de la première édition du Illimi Talk à la troisième édition, parce qu'on voit un événement, mais en réalité ce qui se passe en background au niveau de la préparation, c'est tout autre chose. Et moi personnellement, ce qui m'a fait réellement comprendre l'essence du Illimi Talk et combien de fois c'était puissant, que ce n'est pas juste un événement, qu'au-delà d'un événement, c'est un moyen, si on peut le dire, d'atteindre notre objectif en tant que nous qui aspirons à devenir des jeunes leaders, mais aussi à se dire qu'il y a le giving back qui est là. Il ne suffit pas juste d'apprendre, on crie partout, on est de ADU. Non. Ce qu'on apprend à ADU, c'est pour le partager avec le monde et qu'en réalité, que toute la jeunesse nigérienne comprenne que c'est tous ensemble qu'on peut en fait réaliser de belles choses. Donc, je m'en vais vous poser cette question. Si vous devez définir le Illimi Talk en une phrase, c'est quoi pour vous le Illimi Talk? Je pense que tu parles tout à l'heure de giving back. Le Illimi Talk, c'est comment les étudiants de ADU vont give back aux élèves du lycée communauté. Sur tout ce qui se passe dans la communauté ADU. Dans la maison ADU, tu vois. Super. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à redonner à l'extérieur, aux étudiants? On ne va pas attendre que la personne et l'âge de venir à ADU, il faut commencer à lui incarner, le faire incarner des choses, mais on va le trouver où il est, on lui donne ce qu'on peut lui donner à ce instant T. Et on le regarde exploser. On le regarde like shine. Avec la graine qu'on va lui implémenter, on le regarde shine. Pour moi, c'est ça vraiment. Il super. Madame la Présidente, c'est quoi le Illimitox pour moi? C'est plus permettre aux jeunes lycéens d'avoir la capacité et la chance de pouvoir s'exprimer sur des thématiques qui parfois ne leur sont pas permis de pouvoir parler dessus. Comment construire les États-Unis? C'est dans quel cours de temps on va les parler?
Mademoiselle Rama. Oui. Madame la présidente, excusez-moi. Que des présidents sur ce plateau. Oh. Je pense que pour moi, le ILMI Talk, c'est, comme je dis, entre guillemets, c'est comment, like, how would you express yourself? Comment est-ce que tu t'exprimes, en fait? Parce que j'ai toujours cette image en moi où tu es dans cette bulle et que tu n'arrives pas à sortir, en fait, de cette bulle. Tu n'arrives pas à avoir cet épingle qui va percer la bulle et que tu vas sortir, finalement. Et le jour J, en fait, de l'événement, quand j'ai vu certaines d'entre eux tenir le micro, parler avec ce sourire, parler et donner, je sais pas, c'est comme si je voyais un nœud des étoiles qui était en train de briller. C'était vraiment incroyable parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nadira, quand on parle de giving back to the community, ça doit commencer par ça, en fait. Il faut que chacun ait en soi ce qu'il va donner à l'autre pour que ce dernier aussi l'exploite à sa manière, pour pouvoir aussi l'offrir à sa communauté. Et ainsi de suite, et l'impact sera en fait plus plausible. Donc pour moi, c'est vraiment ça, en fait, le ILMI Talk. C'est ça, ça ne se limite pas qu'à EDU, ça ne se limite pas qu'à la communauté. En fait, c'est tout le Niger. Super. C'est, voilà. C'est tout le Niger. Tout à l'heure, après le ILMI Talk 2, les commentaires sur la page de EDU, c'est pourquoi c'est tout le temps les écoles de Niamey, vous oui, évitez ouais. quand les écoles oui. de l'intérieur du pays. Et c'est ce que oui, le projet pour le ILMI Talk 3, vous voulez vraiment faire venir des écoles de Dosso, de Maradi, de Zender, de Tawa, au moins une école par jour pour débuter et après ramener, mais à l'étonnement de l'office et de contre-temps ouais. surtout. Donc on dit que peut-être le rendez-vous c'est pour le ILMI Talk 3. Oh là là. Révélation. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une école particulièrement qui vous a marqué durant ces 3 éditions, je dirais? Est-ce qu'il y a des écoles qui vous ont marqué particulièrement? C'est pas barabara, mais... C'est loin d'être de la discrimination, mais comme on le dit, il y a toujours une identité remarquable. Yeah, donc ça, est-ce qu'il y a une école qui vous a marqué ou des écoles qui vous ont marqué tout au long de ces 3 éditions? La liste est énorme. Je pense qu'on va shortlister, tu vois. Ouais. Yeah. Quand on parle d'école en matière de participation de l'ILMI Talk, ce serait un crime de ne pas parler de l'année militaire. Ça, c'est sûr. L'année militaire. C'est un trauma. C'était mon stress de l'ILMI Talk 2. Le stress était de ça sauter. Genre, tu peux voir mon cerveau peut-être sauter. Les gars se sont pointés à 15h. Toujours à l'heure. Et en même temps, je pense. Leur énergie, ça intimide les autres écoles. Ça, c'est sûr. Je dirais que... Ils s'imposent dans le public. Et aussi leur engouement à la participation du ILMI Talk 3 de cette année. Regarde en matière de ILMI Talk 2, le gars qui a... Celui qui vient Qui a présenté DIFA. Il a présenté DIFA, ça a fait pleurer des gens dans le public. Ouais. Cette année, ils sont venus en mode militaire. Il y avait des... La scène, Il m'a amené, on peut amener des balles, j'ai dit non. Pourtant, moi, j'avais dit oui, mais Khadija a refusé. Des tirades, des balles réelles sur le campus. Ça fait quoi? Je lui ai dit, tu vas tirer combien de fois? Il m'a dit chaque fois que ça va. Il y a Persévérance. Persévérance ILMI Talk 2, c'est voir 4 jeunes. Ils ont amené 4 jeunes, c'est ça? Yes. À la dernière minute. Que tu as d'ailleurs formé, ouais. tu les as coachés, les 4, c'était 4. Et un parmi les speakers est devenu étudiant de EDU l'année suivante. Tu l'as envoyé aux côtés des nouveaux speakers. Elle faisait partie de la team speaker. Exactement. Excusez-moi, des nouveaux speakers. Et ils ont tout explosé cette année. Ouais. C'est un mode, nous, quand on est venu, on n'a pas eu le temps, on était timide, mais vous, c'est la persévérance, je ne veux pas vous laisser me renier, quoi. Exactement. Ils ont tout explosé. La scène, il y avait du son, des chaînes. Ouais. Exactement. On se croyait dans un film de tirailleurs africains pendant l'esclavage, tout ça. Ouais. Honnêtement, il y a eux. Alors que c'était leur première fois, mais la scène était incroyable. Elle était vraiment aussi. Wow, oui. Alliance. Leur première fois de participer à des événements EDU. Je pense que les écoles, ils font réellement de leur mieux à chaque fois. Et ça dépend de ce qu'ils sont venus trouver. Et chaque fois qu'il y a une école qui participe, tu te demandes, mais ils vont me montrer quoi? Ce sera quoi la créativité? What will be new, right? Mais ils te surprennent tout le temps. Donc moi, si je dois classer, je dirais d'abord toujours
Le prix d'année, le militaire. Ensuite, persévérance. À la 3, Alboza ou Alliance. Merci beaucoup. Personnellement, c'était plus le prix d'année militaire parce que j'avais la stress. C'était à 15h. Le prix d'année militaire était venu et il n'y avait plus de place. Et je me devais d'aller chercher d'autres chaises. Yeah, donc c'était encore, j'étais allée au Maroc qui s'était déchiré en place. Avec les Anna. J'avais peur de la police parce que je devais porter les chaises derrière. Et il y avait des gens, j'avais peur en même temps. Donc c'est, ils m'ont un peu plus traumatisée que les autres. Je pense que vous avez tout dit. Je vais juste peut-être ajouter quelques points. Parce que c'est toujours le prix d'année, bien sûr. C'est ce que je me rappelle pendant les séances de coaching. Ils ne quittaient pas. Mohamed Eliman, lui, à chaque fois quand il vient pour les coachings, il ne parle pas, presque pas, il ne pose même pas de questions. Mais quand on finit tout le temps, il me dit « Tata Ram, est-ce que je peux disposer ?» Je dis « Mais bien sûr !» Franchement, je les admirais, ils étaient tellement respectueux. Franchement, je dis « Mais comment on peut être respectueux à ce point ?» De ne même pas quitter la salle jusqu'à ce que vous demandez la permission. Et c'était vraiment quelque chose qui était vraiment à applaudir. Et on voulait même aller là-bas pour avoir... un coaching une formation de 48 heures et... Formation en discipline. Oui, en discipline. Parce qu'ils étaient deux avec... Marina. Et Marina, quand Eliman parle, elle ne parle pas. Parce que c'est son supérieur, donc elle se dit que, ok, quand il parle, moi je ne parle pas. Elle reste toujours derrière lui. Donc franchement, je pense que eux, c'est vraiment les tops des tops. Après, il y a bien sûr persévérance. J'étais vraiment émerveillée aussi par leur prestation parce qu'eux, ils étaient même venus à une semaine de l'événement. Je parle en termes de coaching parce qu'ils avaient déjà commencé à écrire leur texte étant donné qu'ils ont compris comment ça s'est passé avec Samira qui était là. Donc, eux, le coaching n'a pas été trop difficile, ça a été vraiment rapide et je pense que j'ai vraiment apprécié leur prestation. Et il y avait aussi l'école. C'était quoi même l'école? Anyway, c'était quelqu'un qui était vraiment doué aussi parce que lui, il était seul. Il était seul et il avait du mal à s'intégrer, il avait du mal à parler. Et je me rappelle même pendant les séances de coaching, quand on lui disait de faire sa prestation, oui. Oui, de... Il était resté avec nous jusqu'à la fin. Oui, il était là jusqu'à la fin, mais il parlait pas en fait. Il était tout le temps... il m'écrivait plus sur WhatsApp. C'est tout. Je pense que c'est tout, je pense. Ouais. Alors... Une dernière question peut-être, une avant-dernière question. Vous avez déjà parlé des challenges, vous allez parler des souvenirs que vous retenez de ces trois éditions. On a parlé de challenge. Oui, vous avez cité à travers vos différentes interventions, je pense. Okay. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous pensez que le ILMI Talk s'inscrit dans la droite ligne de ce que ADU veut give back to Niger? A big yes. Ok. Le oui, il est... Shirt, je l'ai écrit sur une pancarte et je dis oui, oui. Alors, Rama. Ouais. Oui, également oui. Parce que... c'était pas la question, mais... C'est même ça, en fait. J'ai demandé est-ce que vous pensez que le fait d'organiser les ILMI Talk s'inscrivent dans la ligne droite de représenter un peu ce que ADU veut give back to Niger. Of course, yes. Parce que ADU, c'est, comme on dit, c'est notre maison à nous, qui nous donne l'opportunité de développer nos skills. Et en tant que young leader, comme on nous appelle à ADU, j'ai vu en ces jeunes des capacités qu'ils commencent à développer dès le lycée. C'est qui est vraiment prometteur, ça veut dire que depuis le lycée, je sais comment développer ma créativité. Depuis le lycée, je sais comment communiquer et puis convaincre les gens. Donc la communication, la créativité, le team working. Parce que ces enfants-là, ils ne font pas juste la présentation seuls, mais ils le font en équipe. Et ça, c'est exceptionnel quand tu vois quelqu'un sortir du lot et l'idée en fait les autres pour pouvoir donner quelque chose, à avoir en fait ce contenu qui va toucher les gens. Donc c'est incroyable, je me dis que oui. Et Dieu est vraiment en train de donner de l'impact dans sa communauté juste à travers le ILMI Talk. Et regarde même comment on fait la sélection des thématiques. L'année passée, c'était dans la peau de... On a fait de la peau d'une présidente nigérienne, de la peau de Diffa. Cette année, c'est du pur panafricanisme. Oui. Construire les États-Unis d'Afrique ensemble. Et tout est dit dans le dernier discours que je pense les étudiants de l'EDU ont fait, Halima et Basmat.
ils ont présenté EDIO comme l'Afrique et que pour construire ces États-Unis, on a fait appel à la diversité, écoles, en fait. La diversité, la créativité. Donc c'est obvious comme on le dit. Ouais. Super. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience durant ces trois éditions 1, 2 et 3 du Ilimi Talk. Je vais finir par quelque chose. Moi, pour moi, comment je définis le Ilimi Talks? Je pense que déjà, l'une de mes plus belles expériences était pendant Ilimi Talks 2, où j'ai eu à coacher l'équipe de l'école Persévérance, du lycée Persévérance. C'était une expérience très intéressante pour moi, parce qu'au-delà de cet aspect de « ils apprennent à parler en public », c'est des gens qui étaient venus et en qui j'ai vu un certain potentiel. Mais en fait, ils ne réalisaient pas qu'ils avaient des choses extraordinaires à partager avec le monde, parce qu'il y avait quelque part le regard de la société, le manque de confiance en soi. Et je pense que durant cette période, après, lors de leur... le jour de l'événement, j'étais juste époustouflée de les voir sur scène. Pour moi, c'était juste autre chose. Et aujourd'hui, on a une qui est à AD ou Samira et qui est en train de faire son bout de chemin, qui est engagée dans les activités. Mais quand elle est venue, elle n'était pas comme ça. Ouais. Quand je prends l'exemple de Mohamed, les autres qui étaient là aussi dans l'équipe, ils étaient 4. Franchement, voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ça me permet d'avoir ce sentiment de fierté parce que je me dis qu'au-delà de juste donner des skills aux gens, peut-être qu'on est en train de changer la vie des gens. Et je pense qu'en tant que jeune leader qu'on aspire à devenir, c'est aussi ça. Comment est-ce que tu montres à autrui qu'il a cette capacité de faire peut-être ce que toi, tu ne peux pas faire, mais que lui, tu lui montres qu'il peut le faire. Et en le voyant le faire, toi, ça te rend fier et ça te pousse à faire encore plus. Pour redonner des chances que toi, tu n'as pas eues. Exactement. Donner cette chance à quelqu'un. On n'a pas eu la chance d'être des speakers en meet-ups, mais des gens, on a organisé des meet-ups et des gens ont acquis des compétences. Et ils ont changé leur vie. Ça a changé leur vie quand tu l'as eu. Ça, c'est vrai. So, coupé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Ilimi. Ex. Ex.